Donc dans le champ des techniques alternatives et anciennes, le mordant sage, comme on va le voir aujourd'hui, est une technique qui est relativement récente, puisqu'elle a été mise au point dans les années 70 par le photographe Jean-Pierre Sudre. Donc en général, on travaille avec un négatif argentique qu'on va placer dans l'agrandisseur. Mais il faut savoir que, comme toutes les techniques alternatives et anciennes, le procédé peut très bien être adapté au numérique. Et donc on peut partir d'un fichier numérique afin de créer sur Photoshop un internégatif qu'on va imprimer sur une imprimante jet d'encre. Donc on réalise un tirage classique à l'agrandisseur en passant par les différents bains, développement, bain d'arrêt, fixateur. Alors on voit ici qu'on a choisi une photo avec beaucoup de valeurs sombres. Pourquoi? Parce qu'en mordant sage, en fait, ce sont les noirs et les gris les plus sombres de l'image qui vont bouger et être attaqués par le bain mordant. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer ensuite. Le bain mordant qui va servir à attaquer et à décoller la gélatine en créant des voiles, des piqûres, etc. Tout le relief qui nous intéresse avec lequel on va pouvoir jouer, qu'on va pouvoir manipuler, est composé donc d'eau chaude, d'eau oxygénée, d'acide acétique et de chlorure de cuivre. Donc pour la chimie, je recommande les pots à sushis, comme tu vois. Les 100, 200 pour 5 euros. Moi, c'est vachement bien pour préparer tout ça. Donc on va d'abord placer quelques minutes notre tirage argentique dans l'eau tiède afin que la gélatine gonfle. Maintenant, on va plonger quelques minutes notre tirage dans le bain de mordançage, environ 5 minutes, tout en remuant légèrement la cuvette, afin que la répartition soit homogène. Petit à petit, donc, on observe une disparition de l'image, un blanchiment, et également la gélatine qui se soulève et qui se décolle en formant des voiles, des piqûres. Alors, il faut bien faire attention, et c'est ça qui est difficile au début, de l'enlever au bon moment et de ne pas attendre trop longtemps, sans quoi tout partira. Donc, dès qu'on aperçoit des petites bulles d'air, on peut retirer le tirage et surtout le mettre à laver au moins 10 minutes en changeant l'eau régulièrement. On a vu, tu vas pouvoir la retirer. À partir du bas, comme tu vois ça. Ce que je veux dire? Ouais. Là, il y a vraiment tout un truc avec l'essence. Hop là, hop là. Hop là. Ouais. Ah, c'est cool ça. Enfin, au moins, c'est pas mal. Ensuite, il va falloir sortir le plus précautionneusement possible le tirage de l'eau. Le plus précautionneusement parce que la gélatine, à ce moment-là, est très gonflée, très fragile. Et il ne faut pas qu'elle s'échappe du tirage. Donc on fait en sorte de maintenir la gélatine en place en tenant son tirage bien droit. Donc on peut s'aider d'une planchette en plexiglas, par exemple. Est-ce que ça passe? Donc une fois le tirage bien lavé, on redéveloppe dans un révélateur classique l'image mordancée. Donc le mordançage a aussi une action de virage. À la base, c'était utilisé comme virage. Donc on va voir apparaître des couleurs qui dépendent de la température, du révélateur employé, du nombre de fois où on va mordancer l'image, puisque à la fin, une fois notre premier tirage sec, on peut encore le retremper dans un bain de mordançage pour obtenir d'autres effets, d'autres couleurs, rejouer avec les voiles si on trouve que le tirage n'est pas satisfaisant encore. On rince à grande eau, à nouveau. T'as du boulot là maintenant. Ouais. Là. Ensuite, c'est le moment tant attendu où on peut enfin intervenir sur le tirage. Donc à ce stade, on a une image comme en plusieurs dimensions et on a l'impression d'être presque dans de la sculpture, puisque la gélatine gonflée et décollée crée des reliefs qu'on va pouvoir jouer avec, la déplacer, créer des voiles, former des piqûres, déplacer des parties de l'image à d'autres endroits. Toute liberté est permise. On peut s'aider de nombreux petits objets, de cure-dents, coton-tige, coton pour absorber l'eau qui coule autour, surtout éviter les traces noirâtres. La gélatine coule comme de l'encre à ce moment-là. On peut aussi jouer avec des vaporisateurs, des pipettes, seringues, enfin tout ce qui vous passe par la tête.
Et voilà, s'amuser à créer des formes, à placer la gélatine à certains endroits, à la déplacer, à créer des voiles, des plis, des piqûres. Ça, je trouve ça beau. Du coup, je l'ai gardé. Ah, c'est vachement beau, je trouve. Et après, là, ma grande question, c'est ça. J'essaie de dégager un peu pour revoir en fait ce qu'il y a. C'est une technique vivante, vibrante même, je dirais, qui permet énormément de créativité, d'interprétation. Donc il faut complètement oublier son image de départ et s'amuser à voir quelque chose de nouveau apparaître qui, avec les aléas du procédé, nous conduit tout à fait à une autre interprétation de l'image. C'est ça qui est intéressant.